Trois outils de la gestion du temps. On a vu les secrets, les stratégies de la gestion du temps. Mais pour bien gérer votre temps, vous avez besoin de certains outils. Et le premier outil, c'est votre réveil ou alarme. J'ai des gens qui ne mettent pas d'alarme. Ils savent qu'ils aiment dormir, ils ne mettent pas d'alarme. Alarme aussi, c'est un challenge. Il y a des gens, leur alarme, ça réveille tout le monde, sauf eux. Ça finit de réveiller tout le monde, et puis c'est eux, mettons, viens taper, Yann. Yo, faut te lever. Tu es en train d'embrouiller tout le monde, lève-toi. Et les alarmes, ne mettez pas une seule alarme. Parce que les gens qui mettent une seule alarme, quand ça sonne net, tu luttes. Dès que tu te fais conseil, glisse son doigt là-bas. C'est fini. Prolongement par continuité du sommeil. Donc, il faut définir vos heures de réveil. À quelle heure vous devez vous réveiller? Et moi, comme je sais que j'aime pas vite me réveiller, j'ai adopté la stratégie du train. C'est quoi la stratégie du train? Pour ceux qui connaissent le train, quand le train doit s'arrêter, peut-être ici, il va commencer à prendre frein depuis plusieurs kilomètres avant de s'arrêter à sa destination. Donc, si moi, je sais qu'il doit me réveiller à 7h00, moi, mon réveil là, ça commence à 4h30 là-bas. 4h, 4h30, 5h, 5h30, 6h, 6h30. Et comme il sait que c'est à 7h, quand il arrive dans 6h30, 6h40, 6h45, 6h50, 6h55, 7h00. Je sais que si je me débrouille, je coupe, arrivé à moi, à force de couper même là, moi, je me finis par me réveiller, c'est bon. Mais ça, tu ne peux pas adopter quand tu vis chez les gens. T'es après, toi, ton réveil, ça sonne, tu coupes. Tu dors au salon comme ça là. Prochainement, on va dire non, nous, on vient te réveiller, c'est bon, il faut dormir. Mais si vous vivez seul, ou bien sûr avec qui vous vivez, si c'est possible de le faire, vous le faites. Et moi, je le fais. Quand vous allez prendre mon réveil, c'est espacé souvent. Je vais prendre 30. Quand j'arrive à parler de 30, qu'il reste 30 minutes, je commence 10. 5, jusqu'à ce que ça arrive. Parce que je me connais. Donc, vous devez définir vos heures de réveil. Rappel des choses à faire 5 minutes avant. Vous devez définir des alarmes. Si vous avez fait votre to-do list et que vous savez que peut-être de 15h à 16h, à partir de 16h00, vous devez faire quelque chose. Avant 16h, vous mettez une alarme 5 minutes avant. Quand ça vous signale, c'est que vous êtes à 5h, vous êtes à 5 minutes de 16h. Non, ce que vous êtes en train de faire, vous devez commencer à boucler pour préparer l'autre tâche. Donc, voici comment vous devez utiliser votre téléphone où il y a le réveil pour pouvoir bien gérer votre temps. Un deuxième secret, c'est Google Keep. Qui connaît Google Keep? Google Keep. D'accord. Si vous n'avez pas Google Keep, vous partez sur Play Store, vous tapez Google Keep. C'est un bloc-notes. Vous téléchargez Google Keep, vous l'installez. C'est un bloc-notes. Il permet de pouvoir faire quoi? De pouvoir prendre notes. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez insérer des images. Vous pourrez insérer des vidéos directement dans le bloc-notes. Et comme il faut faire les to-do list, avec le bloc-notes, avec Google Keep, vous pouvez avoir accès partout à ce que vous avez saisi. Mais votre téléphone a un bloc-notes, mais je vais dire, il n'y a pas une version digitale. Mais avec Google Keep, si votre adresse mail est connectée sur votre ordinateur ou sur vos différents équipements, c'est synchronisé. Donc, ce que vous avez mis comme to-do list sur votre ordinateur, à partir de votre téléphone, vous pouvez consulter. Ou si vous avez fait sur votre téléphone, à partir de votre ordinateur, vous pouvez consulter. Google Keep. Donc, c'est un outil aussi de gestion du temps. Parce qu'il va vous permettre de faire vos to-do list, de marquer même aussi vos petites idées de business qui vous viennent en tête. À défaut de Google Keep, vous pouvez voir votre bloc-notes dans votre téléphone, l'utiliser. Tous les téléphones ou tous les smartphones aujourd'hui ont des bloc-notes. Donc, vous tapez bloc-notes, vous pouvez prendre pour faire vos to-do list. Le numéro 3, c'est Google Agenda. Je sais que d'autres déjà utilisent Google Agenda. Pour ceux qui ne le font pas, vous devez intégrer Google Agenda. Parce que souvent, on a tellement de rendez-vous qu'on finit par oublier. Souvent, la personne même aussi à qui tu dis, pardon, il faut me rappeler, hein, la personne même oublie. Et vous deux, vous avez oublié. Or, avec Google Agenda, vous planifiez vos rendez-vous et il y a des alarmes qui vont venir ou il y a des messages qui vont venir lorsque vous serez proche de votre rendez-vous. Il va vous faire des rappels. Donc, installez Google Agenda si vous n'avez pas Google Agenda pour pouvoir planifier vos utilisations de temps. Donc, voici trois outils en plus des 8 stratégies que vous pouvez utiliser pour optimiser votre temps. Et c'est très important de gérer votre temps pour pouvoir atteindre vos objectifs.